Pour une poignée de dollars, connard. Que ferais-tu pour une poignée de dollars, connard? C'est ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard. Que la vie n'est remplie que de tarbats, tels que ces profs qui, avant d'avoir des preuves, nous montraient du doigt. Je m'en vais combattre le mal par le mal, accompagné d'eux, armé d'eux, et me vois à voilà. Je guette ma proie près du distributeur, dealer. Patiemment je suis et j'attends mon heure. Il vient un moment où les choses se précipitent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ferme ta gueule, passe-moi l'argent, tout va trop vite. Les coups fusent, c'est le rythme. Lorsque la victime résiste, on ne se retourne jamais. C'est juste une autre sur la liste. Mais cette fois-ci, malheureusement, les choses ont mal tourné. Me voilà prisonnier, arrêté, gardé en GAV. Les inspecteurs essaient en vain de me faire cracher le morceau. Utilise la menace pour que je craque, balance mes pacos. Mais pas question, les vrais nambos ne balancent pas. Alors je ferme ma gueule, j'assume et je reste froid devant les insultes répétées des policiers, me rappelant soudainement qu'ici je ne suis qu'un étranger. Obligé, on passe en taux, empreinte, photo, empreinte, traité en cafri mafioso. J'ai en moi monté la crainte. L'Algérien d'à côté voudrait seulement fumer, mais à force d'être insulté, il voudrait même se suicider. Il rentre à lui dans la cellule, le tabac sa mort. Ce fils de pute m'a sali, dit un keuf à qui je souhaite la mort. À qui le tour d'être à moi ce jour? J'ai senti la patate, mais crois-moi, regarde-moi, je suis pas Rodney King. De plus, je n'ai commis qu'un petit délit, 48 heures qu'on me garde ici. Sûr, putain, je pète un plomb. En plus, si crois que je vais donner des noms, si savait qu'il perdrait beaucoup moins de temps, me suçant la bite. Maintenant tu sais où j'habite, le 94-310. Avec nous y'a pas de piste. Sais-tu ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard? Ouais, car j'entends plus. Et j'en rigole. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Il sera peut-être chez moi la question sur connard. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Je te rappelle qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Il sera peut-être trop tard quand tu seras connard. Je te rappelle. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Et qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Il sera peut-être trop tard quand tu seras connard. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Et qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir. Écoute, regarde, pour une poignée de dollars, les jeunes du ghetto sont prêts à aller au placard. Deal, bis, braquage en tant que police, espèce de connard, de leur colère, accuse tu le vas pouvoir, hériter. Écoute. Ma foi, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Maintenant on n'a plus le choix, on voit un grand chez nous, chez les autres. Ma t'observe pour un simple regard, les jeunes du ghetto s'énervent, sont prêts à aller au placard. Écoute, jeune étranger, tes parents ont servi de main d'œuvre pour reconstruire la France. Et désormais elle l'œuvre dans un autre sens. On sait de toi, elle s'en balance, elle a plus besoin de toi. Donc forcément elle brise tes chances, et cela dette ton enfance. Tu danses entre stupéfiants, violence et les coups de balance. Tu considères être tombé par une expérience. Et le chétan ricane dans l'ombre car il mène la danse. Je le savais mais j'y fonçais, la tête baissée, pas le temps de penser. T'es-tu retrouvé avec l'envie de tout défoncer? Me demander ce que je ferais pour une poignée de dollars, c'est demander à Chirac ce qu'il ferait pour conserver le pouvoir. Chercher à impressionner personne ailleurs, je causerais d'autres choses, je ferais flipper plus d'une personne. Je parle de ça et à l'époque, évidemment j'étais qu'un môme. J'étais pas parti en couille, je voulais juste être autonome. Tu vois ce que je comprendront que ceux qui doivent comprendre la fin et les moyens, rien d'inédit, je veux pas te l'apprendre. Je remercie Dieu si aujourd'hui tu as la chance de m'entendre. Sur un CD alors j'aurais peut-être pu t'agresser tout te prendre. J'ai lutté et je continue pour éviter la prison. J'ai mal pour ceux qu'ils ont eu, et t'en as pas eu ma raison. Les gens sont victimes du sort, sur le chemin trop de désillusions. Parler de leur destin ne peut se faire avec dérision. Écoute, regarde, pour une poignée de dollars, les jeunes du ghetto sont prêts à aller au placard. Deal, bis, braquage en temps de crise, espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Et sera peut-être tard quand tu seras connard. Crois-tu que la misère dans le monde illusoire, et qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Il sera peut-être trop tard quand tu seras connard. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire, et qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir? Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Il sera peut-être trop tard quand tu seras connard. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire, et qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir? Écoute,
regard. Pour une poignée de dollars, les jeunes du ghetto sont prêts à aller au placard. On deal, on bise, on braque en temps de crise. Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Écoute, fais-tu pour une poignée de dollars? Deal, bise, braquage en temps de crise. Que fais-tu pour une poignée de dollars? Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Mais qu'est-ce que tu fais pour une poignée de dollars? Deal, bise, braquage en temps de crise. Mais qu'est-ce qu'on fait pour une poignée de dollars? Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Écoute. Pour une poignée de dollars, connard. Que ferais-tu pour une poignée de dollars, connard? C'est ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard. Pour une poignée de dollars, connard. Que ferais-tu pour une poignée de dollars?